Salut, c'est moi Eden dans FIFA. Bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 13, voilà. Sur FIFA, elle est pas mal hein, tout de même. Là, je suis en... On peut dire que je suis en demi-finale, je crois. On va dire comment j'ai le match. Alors, pour vous dire que c'est pas mal quand même. Alors, pour vous dire quand même, c'est quand même le FC Lorient. C'est un club de Ligue 1. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour la demi-finale, tout simplement. Et nous sommes dans le dernier carré, en effet. Il y a une place en finale l'année prochaine. Attention, parce que à ce niveau de la compétition, la moindre erreur se dégage. Et l'arbitre qui donne là, à l'instant, le coup d'envoi de la partie. C'est pas mal quand même, attention. Jamel, vas-y Jamel. La frappe de Jamel! Aïe aïe aïe, j'ai pas cadré, excusez-moi. Regardez. C'est au niveau de la finition hein, que ça a été mieux. Ça a pas été victorieux, on peut dire. On peut en dire ainsi. Attention. C'est bien joué, là, on peut dire. Frappe Naba, putain! Attention. Quand il a pas récupéré, attention. Et nous sommes Yagara. C'est bien joué ça, c'est bien joué avec Wemba. Dommage, ça aurait pu aboutir. J'ai augmenté la puissance des frappes, on peut vous dire. Regardez comme il frappe, donc de loin c'est pas mal. J'aurais pu marquer, mais. Allez, Nicolas, c'est bon. Dommage. C'est pas grave. Allez, c'est pas mal, mais. Ouais, ça cafouille un peu, mais ça dégage, comme dire Franck Sosé parfois. Parce que je connais. Ouais, vas-y Pierre, vas-y, tacle-le. T'as plus d'énergie là, tacle-le. Encore, vas-y Perkis, vas-y, sors-le. Ouais, c'est bien. Encore, dégage. Ouais, c'est bien. Le PG là qui a égalisé face à Nice. Je me rappelle qu'en vrai ils étaient menés, j'avais mal sauvegardé. Ah, j'ai pas fait la passe. C'est pas grave. Je crois que ça peut aboutir un peu. Allez, c'est pas bien, c'est pas mal là. C'est pas trop mal. Non, arrête. Non. Non, arrête. Alain Romao. Enfin, Alexis Romao. Mais dommage, Perkis. Qui, malheureusement, laisse passer la balle dans le filet. Non, il avait déjà pris un jaune. Oh non. Non. Non, Renault, arrête. Oh, c'est pas possible, arrête. Attends, mais ouais, regarde là, je suis à 10. Ah ouais, Renault, non, tu fais quoi là? Non, pas Renault, Pierre. Oh, je peux pas le remplacer, hein. Non. C'est pas possible là, parce que... Oh là là. On peut dire que même c'est dommage. Parce qu'on voit. Que je commençais bien quand même. Donc, on va prendre là. Non, Jamel! Je m'énerve!
mal. La ballon attaque. La sac attaque. Tire. Putain. Pas mal. Lucas Marek qui est blessé là. Et ça s'agite sur le banc. Allez, Arnaud Delain qui remplace. Oula. Non. Heureusement qu'il m'a pas donné de carton jaune. Les soigneurs ont été appelés en tout cas. Merci. Même pas cadré la frappe, on peut dire. Ah, encore blessé. C'est un hein. Maxime Barthélemy qui est remplacé par Alain Traoré. Je connais bien les joueurs quand même, vu que je connais la Ligue 1. Grégory Lucas avec Rayo. Qui va nous. Aïe aïe aïe, poteau, c'est pas possible. Ah, lui, c'est 12 buts toute compétition. Hein. L'énergie, si vous ne voyez pas la statistique. Vas-y, Duhamel. Oui, Livio Nabab. Alors, je suis en carrière, même si je suis parisien, hein, je suis en carrière avec le Stade Malherbe de Caen, c'est pas mal quand même. Donc, on peut voir. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Ah, ils gueulent, des fois les joueurs ils font ça. Voilà. On peut dire que c'est pas mal hein, quand même. On se l'a donné ça. Oh dommage. Au-dessus. C'est la mi-temps de la Coupe de la Ligue. Ils disent Coupe de Ligue. Lâche en carrière. Avec le Stade Malherbe de Caen. Eh bien on reviendra sur toute l'expulsion hein, dans cette première période. Réduit à 10, ils vont sûrement subir un petit peu le jeu de leurs adversaires, surtout en fin de match. Et le coaching là, de l'entraîneur sera à mon avis déterminant. Ah, dommage, attendez, pour que vous puissiez voir le nom des équipes, je vois si ça fonctionne, attendez. Dites-moi ce qui est meilleur pour vous. Contraste. Là, c'est mieux là? C'est un peu mieux le contraste. Alors, je vous le dis, je vous le répète, hein, même si je suis parisien, je suis en carrière avec le Stade Malherbe de Caen, j'ai essayé d'acheter Ibrahimovic, mais ça n'a pas marché parce qu'ils disent que le... L'offre de transfert n'était pas suffisant. Il n'y a pas de soucis. Ah, dommage. Sur cette frappe lointaine. Elle pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué la part du gardien. Et non, il ne donnera pas l'avantage à son équipe. C'était bien joué, hein, la part du gardien. Des fois, il dit ça fonctionnait. Oh, dommage. Pas loin, quand même. Allez, les canets là, je sais qu'on peut faire mieux donc. C'est pas mal quand même là, donc voilà. Oh! Ah là vous voyez le ballon là, je sais que vous le voyez donc pas mal. Il faut sortir le gardien de ouf, regardez d'où il sort. Oh non. C'est pas possible. Ce soit lui qui marque, c'est bien entendu tout sauf une surprise. Ah oui, il fait partie de ces grands joueurs capables de tout à tout moment. Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là.
remplacement pour l'équipe de football. Ah, il n'a pas pu frapper, j'ai cru qu'il était sur la trajectoire. Mais ce n'était pas ça. Bon. Oh, Renaud, t'as fait quoi encore là, là. Je te rappelle, t'as déjà pris un jaune, donc si t'en prends un deuxième, non, juste aussi, t'as pris un deuxième. Parce que je veux pas jouer à 8 déjà qu'on joue à 10, hein, donc. Attention là, parce que je sens que. Oh non, Renaud! Merci pour ces informations. Dégage là comme ça. Non! Poto! Vas-y! Yes! Grâce à un but de Nangis à la 75e. J'ai égalisé. Oh, dommage. Ah, je suis pas mal là, on peut dire quand même. Avec le seum à l'air de Caen, j'espère que le PSG pour lui, de son côté, est en train de gagner. Allez, vas-y, Paris. Oh, Paris vient de marquer face à Nice. Oh oui, Mathieu Djamel, mon buteur fétiche. Alors, si vous ne savez pas, Faisal Fajr est parti. J'ai transféré à Montpellier pour 3 200 000 euros. Hein, ça transfère record, on peut dire, quand même. Encore une faute. Allez. Je suis pas loin, quand même, on peut dire, par contre. Je mets 3-2 contre Lorient. Vous avez vu la superbe roulette là quand Lorient vient de faire. Oh, dommage, il aurait pu dégager. Nicolas Sebu, c'est tout. Et ça ne prête pas forcément à conséquence. Merci. Alors, Nelson Egara qui discute avec. Ah, je vois pas le nom qu'il y a derrière, malheureusement. Julien Kersia, je crois, je m'entends, bof, pour ceux qui connaissent, pour les Lorientais. Ah, faute. Carton jaune. Jérémy Aliardière, on rappelle que Lorient 2012-2013 aurait pu être en Ligue 2. Ils se sont maintenus de justesse là. Coquier et eux sont descendus en Ligue 2. Pour voir malheureusement. Et malheureusement, la soirée est même carrément terminée dans le but, je crois. Ça aurait été un but tout fait, je crois. Attention. Du moment qu'il n'y a pas faute, moi pour l'instant, ça va. Ah, j'ai mal dégagé, il faut que je fasse un tacle. Allez les gars, il n'y a personne. Il n'y a personne les gars. Contre-attaque. J'ai gagné, je suis en finale. Je suis en finale. Alors, je suis en finale, on peut dire que c'est pas mal quand même. Perkis qui n'a fait que 3 arrêts contre Fernando Pras, il en a fait plus, hein, par contre. Alors là, le contraste. Ah, Paris-Nice, c'est là qu'ils font 2-2. Il n'est pas terminé. Ah, Oh non! Non! Ah! J'ai cru que Nice avait battu Paris, j'ai mal lu, c'est bien Paris qui a battu Nice. Lorient battu lui, malheureusement, 3-2. On rappelle que Paris a éliminé le HAC. Non, plutôt, ils ont éliminé l'OM, ils ont éliminé Montpellier. Les Lorientais qui ont éliminé Sochaux, ils ont éliminé Nancy. J'ai éliminé Le Mans 3-0 pour en arriver là, quand même. J'ai éliminé Brest 1-0 aussi. C'était pas mal quand même cette coupe, mais je crois que la prochaine finale n'est pas pour maintenant.
Alors, c'était pour vous dire ça. Suspension purgée. Pas mal. Attention compétition. Après la victoire, 3 des joueurs se qualifient pour la finale de la compétition Coupe de la Ligue. Au début, toujours le pronostic qui est la rencontre pire de chance de la victoire. Du côté de l'Obsé Loyal, la déception est amère par l'édition de l'Obsé Loyal. Leur sondé, leur table, les bras. J'y vais vite quand même. Hein. Je vais partir. Bon, je suis leader. Hein, vous voyez au classement, je vais le montrer. Le contraste, je sais pas comment régler ça. Alors, je suis premier là, tout en haut, avec 52 points. J'ai marqué 61 buts, j'en ai encaissé 16. Je suis la plus mauvaise défense. Hein. Et la plus mauvaise défense, là je vois pas, pire que moi. Voilà, j'ai vendu Faisal Fadj pour 3 200 000 à Montpellier. Alors, je vais parler à la presse. Joueur, je vais parler de Greg Lecat, motivation. Alors, j'ai un match contre Angers. Alors, il me reste encore 4 mois de compétition. Attends. Février, mars. Attendez. Vous voyez, mars, avril. Mais... 4 mois de compétition. Alors, je laisse déléguer ça. Alors, regardez, j'aime bien faire ça. Hein. Dites-moi si vous préférez extérieur ou domicile. Extérieur ou domicile. Bon, c'est vous qui décidez. Mais moi, c'est extérieur. Alors, activez les infos buts parce que, par exemple, si vous êtes premier à la toute dernière journée et que le deuxième a le même nombre de points que vous, vous savez pas s'il a gagné ou fait match nul, c'est important d'activer. Là, j'affronte Angers. Ça marche mieux quand il n'y a pas les matchs, en fait, parce que... Allez, Angers qui m'affronte. Il y a la pluie qui s'en va, qui s'invite. Pas qui s'en va, qui s'invite ce match. Je suis premier. Angers qui n'est même pas dans la dans la première moitié de classement. Alors, moi qui est troisième, je crois. Hein, à peu près. Alors, si vous voyez le ballon, c'est bien. Ah, dommage. Ce qui est bien avec la pub, vous avez un petit avantage. En fait, quand vous faites. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête! Petit con! Il a fait quoi? Ah, c'est pas méchant ça! J'ai même pas taclé! Alors, les arbitres de nos jours dans FIFA. Alors, non, t'as marqué contre la Berrichon, ça fait 1-0. Les arbitres de nos jours de FIFA 13, je vous jure, même si je joue encore, certains se moqueront de moi. C'est pas grave, donc moi j'aime bien FIFA 13. Après FIFA 17, pour moi, c'est un peu trop cher. Ah, j'ai tiré trop fort, malheureusement. Attendez. Est-ce que l'équipe. Attendez, est-ce que je joue à mail ? Ah, c'est pas grave. J'ai essayé de faire son duamel parce que j'ai supprimé l'ancienne sauvegarde de FIFA, du coup j'ai dû recommencer à zéro, c'est pas grave. J'avais marqué 780 buts à peu près. Je sais même pas combien là j'en ai marqué. Oh, j'étais pas loin. Nicolas Seub. Alors, on va prendre. Alors, Grégory Maliki. Qui va dégager. Je suis pas sûr quand même que... Attendez, je vérifie quelle heure il est. Ça va, 18h22. On peut dire que je suis bon. Attendez, je vais prendre un peu d'eau là quand même parce que... Je fais que parler depuis tout à l'heure. Je crois que c'est une vraie pipette. Hein. Donc c'est bien, je suis tenté un peu qu'on fait une petite vidéo FIFA là comme ça.
J'ai perdu. Alors. Istres qui est mené à domicile contre Sedan, but à zéro. J'ai vu le joueur s'écrouler quasiment immédiatement et se plaindre des ischios jambiers. Je crains le pire. Attends, déjà, dis-moi le mois de foot. Ça, c'est vraiment le mois de foot, on peut dire là. Attendez, je vais le désactiver parce que j'ai peur que vous ne m'entendez pas dans la vidéo. Alors, où est-ce que j'ai mis la... Ah. Merci. Allez, vas-y. Oh, mais tu fais... Oh, putain, tu fais chier ce banc. Après, je vais te vendre. Hein. Oh, non, je rigole. C'est la cuisse qui semble avoir été touchée. Aïe, aïe, aïe. Et c'est apparemment sans gravité. Merci. Ah, attendez, je vais le remplacer là parce que j'ai peur de terminer à 10 là. Alors, Kebanou, qu'est-ce que tu t'es fait? Oh non! Toujours des élongations, hein. C'est ce qui arrive le plus rarement à mes joueurs. Soit il n'y a jamais fracture, hein. Oh, ça, je vous le dis, tout net. Jamais eu de fracture. L'équipe à domicile qui va remonter un futur changement. Je pense, bien sûr, aussi. Attention au coach. Dommage. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élimination. Aïe aïe aïe. Remplacé, le fait qu'il ait été chopé un carton jaune tout à l'heure n'est peut-être pas étranger. Couturier. Oh, mais où je dégage ? Oh là là. Les internés insatisfaits avec ce joueur qui est pourtant en bonne forme actuellement. Intention en faute. Et ça sort en touche. Alors je suis acculé sur mon but là. Et en plus il y a une faute, bien sûr, monsieur. Regardez là, je peux contrôler le gardien, je peux faire back juste simplement. Ceux qui ont la Xbox bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait ? La surprise. Alors lui c'est relais, attendez. Relais. Ça s'écrit R E. Attendez, vous l'avez là. Pôle relais. Ah, Jean Calvi. Voilà. Paul Rulli, si vous l'appelez. Pour ceux qui aiment bien le sale malherbe de con, hein, bien sûr. Moi, vu que je suis parisien, pour une fois, je suis avec les canards. Attention, là, parce qu'on sait que... Il aura pas une possession du ballon. Sors-moi. Oh non, j'ai cru qu'elle était cadrée, moi. J'ai même cru, hein, donc voilà, c'était pas loin, je pense. Attendez, je vais allumer la lumière parce que j'ai un truc de noir. Attendez, je suis pas très loin, donc voilà. C'est pas facile. Ah, là, c'est bon. Là, j'espère que vous voyez bien, quand même. Il est à l'interception. Ah oh là là. Il plonge dans les pieds. Trop molle la frappe. Alors Nîmes qui est mené à domicile par le hack. Oh là là. But 44ème minute. Ah, je crois qu'il s'est blessé. Attends, je crois qu'il s'est blessé, Nicolas. Je con. Ah, il s'est pas blessé. Oh non, attendez, Nicolas. Il m'a changé sa position là sur le terrain. On va le mettre à la place. Là. Ah là, c'est bon comme ça. 1-0 à la 44ème grâce à Nicolas Seve. Sur ce contre.
Ah, trop. Eh, trop largement dévissé. On était pas loin quand même, hein, donc. Il est sur la trajectoire, il est contré. Il s'est jeté. Il s'est blessé. Ah oui, merci d'avoir laissé la balle. C'est la mi-temps. Okay. Ah ouais, juste avant la pause là, comme ça, ah ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr. Alors Monaco mène 2-0 contre les Chamois-Niortais. Dijon est mené à domicile par Le Mans. Guingamp est mené. Enfin, ils font match nul. Bref, vous direz les résultats à la fin. C'est donc reparti pour la seconde période de ce match. Alors, c'est seul. Peut-être une émotion, ça prend des minutes. Je crois que j'ai parlé un petit peu vite. Alors, il suffit de le dire. Au contraire, ça se passe. Alors, Nantes mène 3-0 contre la Berrichonne. Matarfal. Oui, petite douleur, 6 de janvier, semble-t-il. Mais rien qui impose un remplacement pour le moment. Oh là. Merci pour ces informations. Et cette faute est sanctionnée d'un carton jaune. Même pas faute là, pour certains les Angevins ils diront. Ah, Guingamp mené à domicile par Clermont. Même pas cadré la frappe, par contre, vous dire. Alors regardez la vitesse des passes, hein, regardez. Alors tout à l'heure, je vais vous dire. Oh là là. J'encaisse des buts à quasiment tous les matchs, hein. Ça c'est un fact chez moi. J'ai touché le mollet, mais ça ne traîne pas forcément la conséquence. Merci. Oh le but! Alors regardez le but, je sais pas si vous voyez le ballon, hein. Moi je vais voir. Alors les Lavallois sont menés 1-0 à domicile par les Tourangeau. Oh là là. Moi qui ai cru qu'elle était rentrée. Dommage. Alors ma carte SD qui n'a plus bateau de. Seulement je vous ferai la suite une pute. On se retrouvera pour un prochain match en carrière. Je vous ferai une autre vidéo comme ça. Quand je libérerai de l'espace sur mon téléphone. Allez, on va se quitter dans quelques secondes là. Ouais, allez, salut.